Bonsoir, alors aujourd'hui je commence une mini-série pendant les vacances pour juste faire le point sur ce que j'ai fait comme travail pendant la journée et ce que je compte faire les jours à venir. Donc j'essaierai soit de vous poster une vidéo tous les jours quand j'y pense si j'ai le temps ou pas, on verra. Donc on commence tout de suite aujourd'hui. Donc je me suis remis au travail cet après-midi. J'ai commencé par de la chimie parce que bah, c'est cool, j'aime bien la chimie, donc ça fait une petite transition. Ce que je compte faire, c'est de commencer les révisions à court terme, donc de réviser les tout derniers chapitres de maths, physique et chimie, donc souvent les deux derniers chapitres. Donc j'ai commencé aujourd'hui par de la chimie, j'ai fiché mes trois derniers chapitres de chimie, un truc comme ça, enfin c'est des petits chapitres. Il y en avait un, c'est sur l'orga, donc c'était des aldoles, l'aldolisation, crotonisation, etc., etc. Un autre sur la thermochimie du second principe et un autre qui ressemble un peu, c'est grandeur réactionnelle, grandeur standard réactionnelle. Donc ok, ça c'est fait. Ça m'a un peu servi pour faire un DM de chimie du coup qui est prévu pendant les vacances. Donc, je pense un peu style CCP, donc niveau difficulté. Il y a eu une bonne partie d'orga et aussi un peu de thermo, donc qui reprenait les chapitres que j'ai fichés. Donc ça je l'ai fait cet après-midi. Ça va, je suis content. Ce soir-là, après, je vais attaquer le deuxième DM de chimie qu'on a. C'est, je crois, juste les seuls DM qu'on a à faire pendant les vacances, sauf un en maths qui est facultatif que je vais essayer de faire. Donc, DM de chimie, donc plus dur, plutôt type mine centrale. Donc, j'ai vu, je crois, il y a de l'orga et aussi une petite partie de thermo qu'on a un peu travaillé, mais c'est le chapitre actuel. Donc ça c'est bien, je vais essayer de le faire ce soir, et si j'ai terminé, ou même si j'ai pas terminé, je terminerai demain matin, je pense, ce DM. Je le recopierai ultérieurement, peut-être ce week-end. Je compte faire après, alors soit des maths, soit de la physique, je me pose encore la question. Normalement, maths, il me faudrait réviser les deux derniers chapitres, c'est-à-dire un sur les intégrales que j'ai déjà fichées, etc., tous les théorèmes, donc il faudrait juste relire. Et refaire les derniers problèmes. On a eu des gros exos qu'on a commencé en classe. La prof nous a donné le corrigé, donc je vais essayer de les faire et de recopier le corrigé au propre, histoire de me faire des mini fiches de, enfin des grosses fiches d'exos classiques un peu. Je compte faire ça. Et pour le tout dernier chapitre, c'est sur les endomorphismes symétriques et orthogonaux, avec les isométries vectorielles, etc. On a fait le chapitre, je pense faire une fiche, histoire de synthétiser et de revoir le cours pour un peu l'apprendre, et essayer de faire ou de refaire des exos qu'on a fait. Ça, soit je commence ça, ou alors je commence de la physique. Donc j'ai fiché, grâce à ma colle qui avait juste avant les vacances, j'ai réussi à ficher quasiment tout le dernier chapitre de. Enfin toute la dernière partie de Mécaflux, donc mécanique des fluides. Il me reste juste un petit chapitre à la fin où c'est quasiment que des exos, donc je pense que je vais essayer de les ficher. Et on a attaqué à la toute fin, genre le dernier jour, de la thermo, qui est ultra simple, c'est juste qu'il faut savoir lire des graphiques, mais c'est un peu ce qu'on faisait, hein, avec les machines thermiques l'année dernière. Donc ça, je vais juste finir on a commencé un TD qui est ultra rapide, je vais le terminer. Je vais relire vite fait le cours, mais ça, peut-être faire une mini-fiche, histoire que c'est clair. J'aurai pas à ressortir tous les documents. Donc ça c'est bon, donc soit je fais des maths demain ou de la physique. Normalement des maths, parce que là je suis un peu frais, je vais essayer de faire ça, que c'est censé être un peu plus dur. J'ai plus de choses à faire là pour les petites révisions en maths qu'en physique. Donc voilà, et après, encore plus tard, je compte attaquer le plus vite possible les révisions de sup, donc de première année. J'ai réfléchi, ça va être sûrement beaucoup plus de la physique que je vais essayer de réviser. Donc un peu tout. Notre prof nous a conseillé pour le concours blanc qu'on va avoir à la rentrée de réviser bah, thermodynamique. Ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire en cours aussi. Et quelques autres chapitres. Mais je vais essayer de le réviser en général et de peut-être de centrer un peu plus sur refaire des exos donc sur la thermo et autres. Et après, en révision de première année en chimie, je vais essayer de faire revivre mon classeur, voir s'il est encore vivant, faire une petite lecture et suivi ou précédé d'une relecture de mon classeur de fiches de maths. Qui est très détaillé, que j'ai fait pendant les vacances. Donc ça va me prendre, je pense, chimie et maths dessus, peut-être une après-midi, enfin une demi-journée peut-être, et réviser à full physique dessus, donc ça va peut-être me prendre plusieurs jours.
Et après, bah, j'aviserai, je ferai sûrement des annales ou des choses comme ça. Donc voilà, ce soir DM de chimie et demain sûrement maths de ce qu'on a fait dernièrement. Donc j'espère que vous travaillez bien si vous êtes en vacances. Et si vous n'êtes pas en vacances, bah, c'est pas une raison pour pas travailler. Suivez bien en cours et c'est bientôt les vacances. C'est bientôt les concours aussi, mais bon, il faut se motiver, motivez-vous, je suis à peu près motivé, heureusement c'est la première après-midi que je travaille, mais je compte être motivé et sérieux, donc si vous êtes en vacances, levez-vous tôt, couchez-vous pas trop tard, histoire de dormir un certain nombre d'heures qui est assez cool, qui vous va, et travaillez, travaillez, essayez de travailler à votre rythme, je compte sur vous, et enfin vous comptez juste sur vous. Donc voilà, donc à demain ou à dans 2 jours, et il y aura peut-être prochainement du coup une petite vidéo que je vous ai parlé sur mes petites vidéos un peu plus spéciales et un peu plus longues. J'essaierai de prendre le temps de vous les tourner, peut-être ce week-end, je sais pas. Bonne soirée, au revoir.